Sébastien, je t'avais envoyé les trucs par mail, moi j'ai les imprimés le même. Et puis, j'ai pris... Qu'est-ce qui tombe? Ah oui, mon petit crayon, on va annoter tout ça. Et puis j'ai pris... I triumphi di Petrarca. Parce que je ne sais pas si je peux trouver quelque chose d'un peu plus gay ou... On verra. Il y a un autre passage que j'aime bien, que j'avais cité dans un livre déjà. Mais je ne suis pas sûr. En plus, je l'ai cité dans la version d'un manuscrit antérieur et particulier. Parce qu'à la fin, j'ai des annexes. Avec le Codice Vaticano Latino 3196. Et c'est là-dedans que j'ai cité le texte fin. C'est marrant, c'était une sorte de brouillon où il avait copié différentes œuvres à différents stades. Il y a des. C'est Rime Stravaganti. Ah non, c'est pas Rime Stravaganti, c'est après. Alors, par quoi veux-tu commencer? Déjà, faut. Quel genre à chaque fois là. Ça, je sais pas. Au gré de la fantaisie du compositeur. Je sais pas, tu veux commencer par quoi? Alors, si on prend dans l'ordre. Bah, dans l'ordre, il y a cette fameuse cathédrale dans la Valise. Chanson titre. Simple et beau. Simple et beau. Eh oui. Comme la vie. Comme la vie. Do. C'est déjà fait, ça. C'est du déjà entendu, ça. Un do majeur, ouais. Ouais. Moi, ce qui m'intéresserait à propos de tonalité, c'est d'avoir une modulation inattendue entre le couplet et le refrain. Voilà. Ça, je pense que ce serait bien. Inattendu, un peu comme dans... Ouais. Je sais pas, justement, comme dans rien, parce qu'elle va être inattendue. Moi aussi, mon avis, il y avait une comme ça, dans 4 saisons 12, il y avait une. Oui, oui, oui. Oui, après, il ne faut pas refaire la saison 12, mais oui, moi j'aime bien les belles modulations. C'est vrai qu'à une époque, j'en faisais trop sur mes premiers disques, c'était avec Franz Forza, on modulait à chaque couplet, à chaque refrain. Mais non, mais juste un truc, trouver deux tonalités qui sont très inattendues, comme le chocolat et le fromage, mais qui iraient bien ensemble. Donc, ni du chocolat, ni du fromage, mais... Un truc que j'aimerais bien essayer, c'est par rapport aux correspondances entre les tonalités et les chakras. Essaye d'aller voir entre... Ouais, essaye d'aller voir entre le la et le si, qu'est-ce que ça donne. En tonalité, hein. Pas en note, mais en tonalité. Entre le la et le si. Passer du la au si, qu'est-ce que ça donnerait, par exemple? Faire les couplets dans une tonalité de la et les refrains dans une tonalité de si. Parce que ça... Comment ? C'est vraiment à côté. Oui, c'est vraiment à côté, mais il y a peut-être une façon, je ne sais pas. Ah, oui, oui. Enfin, c'est peut-être une fausse piste. Pourquoi le la ici ? Pourquoi les chakras ? Parce que le la, parce que c'est un texte spirituel, et le la, c'est le chakra du front, que les hindous dessinent sur le front, d'ailleurs, en général. Et le si, c'est le chakra divin sur la tête. Et voilà. Et comme on est un peu dans ces hauteurs-là, je me demande, parce qu'en fait, les notes, elles correspondent à mon chakra. Voilà. Je me demande si ça peut être... Si ça peut donner quelque chose quand on fait une chanson, tu vois, par exemple, la sexualité, c'est le chakra orange, donc c'est la note Ré. Est-ce que ça donne quelque chose de faire une chanson érotique en Ré? Tu vois, je sais pas. Hein, c'est pas une chose que j'ai étudiée de près, mais je sais qu'il y a ces correspondances chakra et notes, comme il y a les correspondances chakra couleur.
Comme ça, oui, c'est... Si on essaye, on va faire les couplets comme ça. C'est qu'on monte dans la cathédrale et qu'on arrive au sommet de la flèche. Oui, oui. Ah, mais ça me plaît bien comme. Alors. Est-ce que ça nous influence sur un truc un peu... Un peu. Mais c'est beau, c'est très joli ce que tu jammes là. C'est superbe ça, tu enregistres là Non. Non. C'est superbe comme ça. Là, je me vois la chanter avec Florent sur l'énorme piano à très longue queue de Thomas. Thank you.
la deuxième moitié du refrain, faudrait voir, parce qu'il faut pas que ça retombe en fait. Enfin, je sais pas, mais il faudrait pas que ça retombe trop. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Non, pas forcément autre chose, mais là j'ai l'impression qu'en fait il y a une sorte de crescendo sur la fin de la première moitié du couplet et qu'après ça redescend un peu en intensité. Hein, je parle pas. Je pense qu'il faudrait que ça monte encore en intensité. Quand ça surprend un peu les... Mais c'est beau ça, tu t'as enregistré ça. Mais là t'as changé, c'était ton... Oui. Sur devant de voile et de si on fait autrement, si on fait un petit peu plus haut, plus que ce soit plus. Oui. Alors je refais au début. C'est bon, la note grave, c'est bon, la note grave aussi. Noter rapidement cette grille qu'on va remettre après. Mais...
de faire. Ah non, mais t'es en dessus. Ah oui, il y a les deux. Oui, enfin, oui. Je sais pas où t'es, oui. Bon. Ah oui, t'es revenu au début, d'accord, bip. Hein. Comme ça en raison.
descendre, oui, tout à fait. On avait trouvé une note qui était pas mal au début, que t'as plus fait après, il y avait une petite note un peu subtile. La chanson, alors dans l'ordre, alors la suite, le lourd poids des passions légères. Attends, oui, attends. Ah, la technique, hein, c'est quelque chose. Cathédrale, cathédrale. La chanson titre, hein, prochain album. Donc on a bien mis là ici, hein. On verra l'effet que ça fait. Mais je trouve que c'est bien. Alors, lourd pas des passions légères, je propose de partir en ré pour le chakra orange. Chakra orange. Et puis on peut redescendre. Est-ce qu'on peut faire des couplets dans une tonalité de ré et les refrains dans une tonalité de do pour les ménagères? Do, ce serait quoi? Bah, do, c'est le chakra le plus matériel, c'est le rouge. C'est le chakra de Michael Jackson, parce qu'il se le touchait. Il a toujours la main dessus, Michael Jackson. Sur la main dessus? Sur le chakra rouge, oui. Entre les jambes, entre les... c'est le plancher pelvien, en fait. J'aimerais que tu partes de cette strophe-là. Okay. Jules caresse un loup blanc dans les sous-bois humides, du museau jusqu'au flanc, sa main n'est pas timide, et quand le soir descend, il se prend pour un druide qui décrypte le sang des mouches cantharides. J'aimerais qu'on crée la mélodie à partir de ça. Et après, l'autre, elle ira toute seule dessus. Mais dis-moi... Ouais. Un truc... Oui. Un nom, un nom de quelqu'un, d'un artiste, quel genre de truc, juste pour que je démarre. Ah, je sais pas. Ah, j'aimerais bien, vu que je connais un très grand compositeur, j'aimerais bien que ça fasse un peu penser à du Sébastien Chaligne. Allez, viens.
Oui, mais un disque. Non, je sais pas, je sais. T'as besoin d'une inspire. Alors, faut prendre quelque chose de très loin. Mais non, mais très loin, mais va me dire. Prendre quelque chose de très loin, qu'est-ce que j'ai écouté aujourd'hui? Ben justement, tu vois, j'écoutais Kevin Mahogany tout à l'heure. Tu connais le gros chanteur black américain. Tu connais pas Kevin Mahogany? Ah, ça, alors ça, c'est scandaleux. Ah, si, Kevin Mahogany, oui. Mais je connais pas, mais je vois qui c'est. Ouais, vous n'en avez pas un seul disque à la médiathèque. Ça, c'est honteux parce que c'est vraiment génial. Et lui, en fait, il chante que des standards de jazz des années 40, 50, 60. Hein, et je trouve que c'est. Je pense qu'on peut, mais tu vois, partir sur ces standards de jazz des années 40, 50. Quoi. Un truc un peu swingant, un peu léger. Et puis le refrain, il peut être un peu... Il peut être léger aussi, parce qu'il faut leur donner de la légèreté à ces pauvres ménagères. Mais tu vois, qu'est-ce que ça donne si on met un texte intelligent sur ce genre de musique superbe ? Qui ont en général des textes absolument stupides. Dans les standards américains, c'est vrai, le texte en général, il n'y a aucun intérêt. Et c'est dommage, parce que c'est des musiques qui gagneraient à apporter des beaux textes. Et justement, tu vois, ça fait très américain, parce que je les ai rappelés Jules et Rose. Parce que c'est, il faut que les musiciens y comprennent. Tu écoutes toi du jazz de ces années-là? Oui. Un peu. Oui, tu en joues même. T'avais un songbook, il me semble. C'était quoi le gros songbook que t'avais l'autre jour? C'était un truc américain, mais je sais plus ce que c'était. Facile, vraiment swingant, facile, léger, quelque chose de smooth. Tu vois, la version pop de ça, ce serait Smooth Operator de Chalet. Tu vois comment c'est Smooth Operator, tu vois. Mais en fait, le Smooth Operator de Chalet, il est pompé sur, sur ces standards américains des grandes années. Thank you.
rose et gorge des chats noirs. Tu vois, un truc. Faut que ce soit léger. J'aime bien le contraste entre le. Ce serait bien de faire pour Jules et pour Rose deux choses différentes en fait. Et, parce qu'il y a l'homme et la femme, tu vois, à chaque fois. Mais en faisant un truc tu restes dans la même tonalité pour les deux mais pas la même mélodie, tu vois. Tu peux garder, à la limite tu peux garder la suite d'accords mais faire une mélodie différente pour les deux. Moi je peux avoir une mélodie pour l'homme et une mélodie pour la femme, mais tu peux garder la suite d'accords éventuellement, soit telle qu'elle, soit avec des variantes. Thank you.
ça va être propre. Hein. De David Bowie, c'est une sorte de remixage de If I Were a Carpenter. T'avais déjà remarqué? Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais, mais oui, oh, we could be heroes just for one day. C'est la même mélodie en fait, qui est remixée. Ouais. C'est marrant, hein? Et je m'en suis rendu compte hier soir, alors que c'est deux chansons que je connais depuis 30 ans et plus, mais. Mais en fait, c'est If I Were a Carpenter. Et Bowie a brodé dessus, et voilà. C'est les mêmes harmonies, les mêmes notes, dans un ordre un peu différent. Mais c'est marrant, hein, parce que je l'ai écouté vraiment longtemps sans m'en rendre compte. Et hier, ça m'a tilté, je me suis dit, tiens. Et quand le soir descend, ouais. Tu peux refaire deux fois pareil, puis après on change pour la rose. Ah oui, pour ça, amène le refrain, oui, d'accord. Bon. Je sais pas, on va pas faire pareil. Ah, tu referais pareil, oui, c'est non, ça. Je ferais pas pareil, justement, ouais. Pour ouais. Ce coup-là. Le premier, on fait deux fois pareil, ouais. L'autre, on modifie un peu, même un peu modifié. Trouver peut-être un truc plus... qui est plus retenu pour...
Oui, mais je propose, ouais, mais je propose peut-être de passer au refrain, puis après tu regardes comment ça se joint. Tu auras la réponse. Ah non, non. Je sais pas. Ouais, alors il y a les deux façons de faire, mais. Là, donc ça, on va le faire avec une forme comme ça, et là, on va avec un do dièse. Et ça, c'est très bien. Et on voit rien. C'est pas très. Il faut imaginer que je m'en souvienne de ce que je grégouille. Mais je m'en souviendrai. Les ménagères qui arrivent, oui, c'est excellent ça. C'est pour passer en do violemment, mais on avait dit qu'on allait en do. Oui, mais c'est excellent, les ménagères qui arrivent au milieu, c'est excellent. Chercher une. Et la chair toujours exagère avec son velours. Oui, on est dans lourd, les velours, les soies, les velours, je ne sais plus comment c'est. Oh, les soies, les velours. Je m'étais où Comme ça. Imagine des ménagères qui arrivent en rang avec le balai qui se mettent au garde à vous.
un peu comme une... J'aime bien sauter un peu tango, comme ça. Comme une marche. Tango, un marche, ouais. Enfin, c'est une marche, mais c'est un tango en même temps. Non, c'est un peu entre les deux. Ouais. Je savais pas laquelle... C'est la marche du tango. Le tango de la marcha. Essayons ça. C'est du ballet au plus loin. Ça fait un peu genre, je sais pas. Ah, c'est super ça. Thank you.
as trouvé le juste équilibre entre le tango et la marche, c'est parfait. Mais tu sais, le couplet, je veux dire le refrain, tu parles de l'air du refrain, hein. Il peut être presque parlé en fait. C'est les ménagères qui font des ragots. Ouais. Tu vois, très, très légèrement chanté, mais il n'y a pas forcément besoin d'une mélodie. Parce qu'en fait, là, tu as un super accompagnement, donc il peut être quasiment slamé dessus. Il y a un truc un peu comme ça, là. Sur l'étagère, quand elles font la cour. Tu peux mettre une note à la fin, comme ça, un truc. J'étais à rajouter de l'huile, non, c'est pas ça. Je chante, j'aime bien quand tu chantes. Parce que maintenant on peut la prendre du début. Maintenant qu'on a le truc en place à peu près. Moi je vais faire. Ah, on avait dit qu'on faisait pareil. Oui, deux fois pareil et après tu changes pour la fin.
ça. C'est peut-être la fin du couplet qu'il faut revoir un peu. Parce qu'on pourrait vraiment enchaîner, en fait, les ménagères pour arriver assez vite, sans tous les... Là, tu fais plein de... Ta-ta-ta. Super, hein ? Ouais. Tout de suite. Il n'y a pas une façon de résoudre la mélodie pour que les dernières notes de la mélodie, en fait, du couplet, arrivent dans la nouvelle tonalité ?
c'est ça que je trouve marrant dans les changements de tonas, c'est de les imbriquer tellement qu'il n'y a pas un endroit précis, mais c'est une, tu vois, une culture qui s'interpénètre. Que ça donne. Comme ça. C'est-à-dire que tu dois rajouter une mesure en fait, c'est ça? Ouais, non, mais même ça n'irait plus. Bon, faut que je parte autrement dès le début, faut que je refasse ça. Ça va pas. Là, t'as fait un truc pas mal, t'as trouvé un accord, c'était bien. Ouais, ouais. Ouais, c'était pas mal. Il faut juste repotasser le bout de mélodie là pour qu'il aille sur ses accords, tu vois. Mais il faut d'abord faire tes accords et après tu remets la mélodie sur le... Mais on y est, là, c'est pas mal. Hein. C'est beau ce que tu fais là. Ouais. Ici, en fait. Ah carrément, oui, d'accord, d'accord, ouais. Oui, comme c'est ça, on amène les ménagères. Tout à fait, c'est bien. Ouais, très bien. Ça fait une structure intéressante, ouais. J'avais dit.
fait, quand tu reviens du couplet au, du refrain au couplet, t'as trouvé comment? Parce qu'en fait, si tu as besoin de, d'un peu de transition, tu peux rajouter un peu de matière musicale. Hein, entre... Ça ne vient qu'une fois, en fait. À la limite, on peut mettre un solo de piano entre ça et ça, tu vois. Passer tout de suite. Ouais. Ça va bien. La boîte, celle-là. T'as enregistré déjà? Oui. Je peux trouver un petit air pour le. Bah, on l'a vu tout à l'heure là. C'était bien ce qu'on a fait tout à l'heure. Très simple. Passe comme ça tous les jours pendant des heures, c'est fou. C'est infernal. Non mais c'est pas lui. Précédente. Là, en fait, il faudrait partir sur le refrain, parce que le texte français, je peux toujours le refaire, le refrain, il ne bougera pas. En fait, je trouve, je le lis une fois à haute voix, je trouve qu'il est vraiment très, très, très bien... Enfin, c'est du Pétrarque. Hein, il est long, quoi. Non, il n'est pas long, c'est juste ça. Mais ça va très vite, en fait. O felice colui che trova il guado di questo alpestro e rapido torrente che a nome vita a molti sia grado, misera la volgare cieca gente che pon qui sue speranze in così tale che il tempo le ne porta si repente, o veramente sordi, nudi, frali, poveri veramente di consiglio, veramente egri, miseri mortali. C'est pas très long, en fait, mais c'est... C'est pas très long, mais si tu veux la chanter, c'est pas gagné. C'est une sorte de rap médiéval. Inédit, parce que c'est une œuvre inédite. Les triomphes. Mais tu veux que ce soit chanté, le refrain? Oh, felice colui che trova il guado di questo alpestro rapido torrente. Tu peux le chanter. Comme ça. Je sais pas comment il faut le faire. Ça peut être chanté, oui, mais un chant assez simple. Disons, faut que ce soit plutôt des notes conjointes ou très proches. Faut pas faire des grands sauts sur un truc comme ça. Je sais pas, toi qui en lis tous les jours du Pétrarque, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas évident de couper les phrases. Ah mais faut pas les couper, faut surtout pas les couper.
Bah non, je m'avais coupé, mais je peux pas faire des phrases qui... des phrases de musique qui soient si longues. Pas évident. Mais pourquoi en fait? Parce que si c'est une seule phrase musicale, le tout, pourquoi il devrait y avoir des arrêts en fait dans la voix? Parce qu'il y a un peu genre trois phrases de trois vers chacune. Quoi. Non. Non. D'une certaine façon. Non. Bah. Non, parce que tu as vu que c'est de la terza rima, tu as vu. D'accord, mais... Donc quand c'est de la terza rima, en fait, d'ailleurs c'est impossible de le couper, moi je l'ai coupé arbitrairement, mais ça marche pas très bien, parce que les ado, on en a que deux, et le ilio, on en a qu'un, alors qu'elles vont toujours par trois, c'est ado, ente, ali, ente, ali, et en fait on a eu les trois ente, on a un seul ilio, et dans l'autre, on en a que deux, tu vois, on a... C'est de l'indémaillable, en fait. On ne devrait pas le couper. Certes, mais... Bah, effectivement, au niveau du sens, effectivement, il y a trois phrases, en fait, qui ont chacune leur point d'exclamation. Effectivement, il y a trois phrases. Il y a trois phrases, et d'une certaine façon, j'ai 9 vers. Oui. Oui, mais les vers, tu t'en rends pas compte. Il y a trois phrases, en fait. C'est une phrase longue. Oui, c'est une phrase longue. Il y a trois phrases. De toute façon, faut pas les couper parce que c'est il guado di questo, il y a pas de coupure, et puis rapido torrente canome vita, il y a pas de coupure non plus. La gente che pone, tali che, et ensuite. Mais je peux arrêter à pestro et. En fait, tu as des structures différentes vita, parce que regarde, les deux premières phrases, elles sont vraiment liées, et ça, c'est vraiment trois phrases parce que c'est o veramente sordino di frali. Poveri verme del concilio, verme de egre miseri mortali. Donc en fait, là, tu as vraiment trois phrases dans le troisième, tandis que ça, c'est des phrases entières, parce qu'il y a des relatives, tu ne peux pas les couper. C'est à chaque fois des relatives ou des compléments de noms. Donc tu ne peux pas les couper. Ça, c'est vraiment deux blocs, les deux premiers. Et ça, c'est trois blocs, le troisième. Oui, mais je peux couper en deux, au moins, la première. Sur ma phrase. Mais le couper où? Di questo alpestro, je coupe. E rapido torrente. Oui, mais c'est alpestro et rapido. C'est alpestro et rapido, torrente. Tu ne peux pas couper entre alpestro et rapido puisque c'est les deux adjectifs qui vont avec torrente. Oui, il est un peu difficile le texte, tu le comprends à peu près? Oui, mais c'est le meilleur endroit pour couper. Parce qu'il faut couper à vita, par exemple. Je parle dans la déclamation, dans les phrases musicales. Ah ben, alors tu peux couper après vita, oui. Canome vita. Et à molti et si agrado. Oui, là, on peut couper. Mais tu ne peux pas couper entre alpestro et rapido, c'est impossible, non? Parfaitement le texte, ou tu veux que je le traduise? Tu comprends vraiment bien? Bah, parfaitement. Je sais donc pas, c'est oui, mais heureux celui qui trouve le guet de ce torrent alpestre et rapide qui a pour nom la vie et qui plaît beaucoup à tant de gens. Voilà, parce que les gens ils disent qu'ils aiment la vie, en fait c'est pas vraiment vrai, mais ils disent qu'ils l'aiment. Voilà, c'est ce que dit Pétrarque, hein. Il dit que les gens sont pas sincères quand ils disent qu'ils aiment la vie. Misérable, en fait, les gens, enfin le peuple vulgaire et aveugle est misérable parce qu'il pose ses espérances dans des choses telles que le temps les emporte tellement vite. Voilà. Si repente, Si repente, ça veut dire tellement vite. Les ne porta, ça veut dire les emporte.
C'est un archaïsme, c'est du médiéval. Les neporta si repente, ça veut dire les emporte si rapidement. En fait, les gens sont aveugles et misérables. La volgare gente, donc c'est le peuple. Le peuple est aveugle. En fait, c'est la volgare gente et cieca et misera. Donc le peuple, la volgare gente, je traduis par le peuple est aveugle et misérable parce qu'il pose ses espérances dans des choses telles que le temps les emporte tellement vite. Overamente, donc tellement, et puis il repart sur ces gens qui sont tellement sourds, nus et fragiles, pauvres vraiment d'esprit, povero di concilio, ça veut dire pauvre en esprit. Aigri, c'est un latinisme qui veut dire malade, donc ils sont vraiment malades et misérables, c'est mortel. Pauvre mortel. Et vraiment, aigri, c'est un latinisme, hein, c'est l'adjectif latin repris tel quel. Donc c'est un texte qui est fort, mais en même temps que tu peux prendre au second degré, parce qu'il est presque ironique. Je le veux pour un ou deux, je suis désolée. D'abord. Pour une boutade. Mais bon, faut imaginer quand même aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut imaginer? Non, mais genre, c'est. C'est plutôt Jean Monteverdi ou plutôt Gino Paoli, tu vois? Alors Monteverdi, je connais. Gino Paoli, c'est quoi ça? Gino, je sais pas, ou... Enfin, ou Nino Rota, c'est ça que tu veux dire? Oui, des... ou plutôt Celentano. Ah, Celentano, si. Quel nom il piace à fa. Oui, ouais. Celentano, non. Côté chanson... Mi fa schifo Celentano. Chanson du boom et de la vie. Chanson genre du boom, très italienne. Là, ou plutôt un peu solennel. Bah, je sais pas, c'est toi le compositeur. Ouais, genre l'ambiance que tu voudrais, quoi. C'est toi qui vas mettre ton nom. Et quand les gens ils vont dire c'est complètement raté, ils vont dire ah, c'est ouais. Sébastien Chaligne. Néanmoins, tu peux quand même avoir une idée de ça. Je sais pas, je pense à Patti Pravo parce qu'elle, elle chanterait ça sans se poser de questions. Tu as lu son livre? Ça t'intéresse? Parce que, en fait, c'est un e-book, je l'ai imprimé. Ça t'intéresse de le lire? Si c'est long, je vais pas lire ça. Non, c'est très court. C'est du bla, ça s'appelle Blablabla. Bla, bla, et c'est du blabla, mais c'est marrant. Elle raconte son enfance à Venise. Elle va à l'école dans les inondations, puis comme l'école est fermée, elle enlève ses chaussettes, puis elle les pend à la porte de l'école. C'était une école religieuse, pas mal. Tu vois, je sais pas, elle chanterait ça comme ça, ça lui viendrait, quoi. Elle se poserait pas de questions, en fait. Elle est très instinctive. Mais voilà, un petit truc comme ça, oui. Ah, c'est pas
alléger ce texte, parce que c'est vrai que c'est bien de lui mettre une mélodie légère comme ça, ouais. Ouais. Non, mais ça fait un peu, il faudrait trouver. Ça mérite une petite recherche et tout, mais tu sais, toutes les chansons des montagnes. Il y a un nom pour ça, il y a toute une tradition des chansons comme ça. En Italie, tu veux dire? Oui. Ouais. Ouais, c'est le mot alpestre qui fait penser à ça. Les canzoni alpestre. Ouais, c'est pas alpestre en fait, mais c'est... De les montagnes, si. De les collines. Les collines, oui. Qui sont les collines aussi. En plus, ça commence « Ophélie, chez Colui, qui trouve le bois ». En fait, ça commence vachement bien, on croit que c'est... Oh là, pardon. Et ces chansons, donc des montagnes italiennes, mais c'est quoi ça, tu passes? C'est un folklore de quelle époque? Récent, ah oui. Ce siècle, quoi. Le siècle dernier. Le siècle qui nous a vu naître, d'accord. Oui. Mais ça me plaît beaucoup comme petit truc, oui. Des notes conjointes, oui. De toute façon, les chants populaires, c'est toujours des notes conjointes. C'est l'opéra qui a introduit les sauts d'octave et les sauts de quinte et de quarte. C'est très beau. Et après, il faut ça placer le texte. Ça va être un peu compliqué à placer le texte. Oui. Mais je pense à Patti Pravo et te pose pas de questions. C'est simple en fait. Tout est simple. Trouver après une... Mais enregistre ce que tu viens de jouer. C'est très très beau ça. Thank you.
bas du purgatoire pour les erreurs du paradis. On ne refait pas l'histoire avec une poignée. Qui refroidit. Je peux mélanger. Je vais mélanger le texte, c'est pas grave. Ouf, j'ai le gigolo, que trois guado. Questa pestro e rapido torrente. Cano me vita e a molti e si agrado. Misera la folga e cieca gente. Che pon qui sue speranze in cose. Tali che il tempo le riporta si repente. Oh, veramente sordi. Mais tu vois, tu peux l'enchaîner en fait, le texte il roule, c'est de l'incroyable. Bon, de toute façon, t'as enregistré tout ça là? Ouais, bah c'est bon alors. Je crois qu'on passe à une autre. Ce lyrisme débordant, mais en même temps un truc très, très tellurique. Mais que je t'aime, je l'ai entendu il y a quelques temps sur un quai de gare, et vraiment je me suis dit, bah, c'est Eric Bamy qui chante, c'est pas
voix d'Eric Bami. On reconnaît dans l'aigu parce qu'elle est, elle est très douce, la voix d'Eric Bami, tandis que celle de Johnny, elle est métallique. Elle a plus de couleur, en fait, celle de Eric. Ah oui, mais c'est souvent la voix d'Eric Bami sur les disques. Et souvent, en fait, le plus souvent, je crois que les deux voix sont mixées ensemble. Ah non, mais je sais, Madame Charlot me l'a dit, hein. Il était en studio et il enregistrait Eric Bami. En fait, c'est lui qui faisait la mise en place. Johnny, il faisait juste une voix derrière. Et après, au mixage, il gardait l'une ou l'autre voix, ou des fois, il mixait les deux. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Après, je sais plus, je connais pas le texte par cœur. Comme mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval noir. Je sais pas, oui, c'est Gilles et Thibault qui ont fait Gilles ça. Gilles Thibault, je crois. Ouais. Gilles Thibault, oui, c'est ça. Et la musique, c'est... C'est Renaud, non, c'est pas Renard, je crois. Non, c'est Renard, c'est Thibaut et Renard, Gilles Thibaut. Et Gilles Thibaut, c'est qui l'a été chercher ça. Corps mais... sur ton corps lourd comme un cheval. Cheval. Ça donne vraiment envie. N'en peut pas, n'en peut plus. Et qui l'hésite encore. Qui l'hésite encore. Ouais. Quand tu es presque chienne, je sais plus quoi, non. Quand je me sens moins lourd, que je te sens plus chienne, quelque chose comme ça. Et que c'est toi. Alors après, il donne le rôle de l'homme à la femme. Il c'est toi qui. Comment ça va? Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, c'est déjà pas mal. Mais tu le connais bien, tu l'écoutes beaucoup. Ouais, oui. Eric Bami, t'écoutes beaucoup Eric Bami, toi. C'est l'été. Et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Oui, voilà. On dirait du Barbédivien, en fait. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Voilà. Ouais. Ouais. Quand même. C'est beau, quand même. Oui. C'est un peu néoclassique, dirons-nous. Donc un peu comme ça. Ouais, un peu cet esprit en fait. Je vais t'aimer quoi. J'ai besoin de tendresse. Je vais t'aimer. Dans les bras d'un homme. Michel Sardou. Entre mes fesses, que je croque la pomme. J'ai besoin de caresses, d'amour à la gomme. Si le désir te presse, tu seras mon homme. Embrasse-moi comme si j'étais une femme. Avec moi en maîtrisant ta flamme. Et puis prends-moi comme si j'étais une femme. Avec la foi qui soulève les montagnes. J'ai besoin d'affection solide et virile pour prendre la direction des tripes immobiles. Besoin de l'érection de pierre ou de gile pour que la connexion rejoigne mon île. Embrasse-moi comme si j'étais une femme. Avec la foi qui soulève les montagnes. Mais en fait, tu vois, ce qui me gênait, c'est pas forcément le refrain, mais c'est les couplets. Je trouve que c'était trop lyrique. Ça faisait double emploi, en fait, avec le texte. En fait, le texte, il est féminin et il a besoin d'une musique masculine.
je trouvais que c'était redondant et du coup ça devenait, enfin pour moi en tout cas, ça devenait too much. Après j'aurais pu le chanter en marrant, mais j'avais pas envie de le chanter en marrant, j'ai envie de le chanter en étant sérieux, mais il faut pas que la musique soit too much, il faut que la musique équilibre, apporte ce que le texte n'a pas. Le texte il est vraiment féminin, il pourrait le chanter par une femme, en changeant de mots il pourrait le chanter par une femme, mais par contre la musique elle doit être vraiment masculine. Mais c'est l'idée de Que je t'aime, la chanson d'Éric Bamy, c'est pas mal. Tu sais, j'ai réécouté récemment le duo Johnny Hallyday et Barbara, et en fait, là, on entend que c'est vraiment Johnny. Et justement, ça choque parce qu'on a l'habitude de la voix d'Éric Bamy ou des deux voix mixées ensemble. Et c'est très marrant. Parce que le Que je t'aime, tu trouves que c'est trop connu ou trop... Bon, si on part de là, ça va trop y ressembler, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme chanson ? Cadillac, wow, il était comme ça. Tu connais Cadillac ? Ouais. C'est possible en moto. T'as déjà vu Brigitte Bardot sur sa moto quand elle était jeune. C'est possible en moto. C'est quoi. Possible en moto. Tendresse. C'est vrai que c'est possible en moto. Quoi. Thank you.
un truc comme ça. Ouais. Nanana, oui, on entend du rock'n'roll. J'aime que la musique soit folle. Et tous ces crooners qui me tapent sur les nerfs, je préfère le bon temps du rock'n'roll. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes slow et les mêmes tempos. Moi j'aime la musique quand j'ai plus mon cerveau. C'est, tu vois ce que. Il y a un truc un peu. De tendresse dans les bras d'un homme, si tendre mais le fait ce que je croque la femme. Voilà, tout à fait un truc comme ça. Un vieux rock bien, bien primaire. Un peu plus entre le rock and roll, le bon temps du rock and roll et que je t'aime. Ouais. Sinon ça fait trop. Ouais. L'un ou l'autre ça fait trop. Ouais ouais tout à fait. Alors.
limite, j'ai tout réduit depuis tout à l'heure à faire ça. Alors qu'est-ce qui te limite? Et de faire trop blues rock comme ça. Alors on enlève les limites, qu'est-ce que ça donne si on enlève les limites? Tu gardes l'idée et tu enlèves les limites, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne que j'ai... ce qui s'est évaporé. Comment? Ça s'éva? Parce que t'avais une idée? Ouais, je voyais j'entendais Johnny tout à l'heure, puis là je... Qui chante quoi? Que je t'aime. Thank you.
guitare, avec ma guitare. Entre chaque phrase. Je peux faire venir un pote comme ça, juste pour faire quelques riffs de guitare, c'est pas marrant. Ça, mais c'est super, c'est le truc. Ils ont vraiment dû te faire chier. C'est la vie qui vaille toujours. Vive la vie, vive la mort. C'est quoi ça que tu chantes? Tu chantais quoi là? C'est la vie qui va. Ah, la vie qui va. C'est quoi ça, cette chanson? Je comprends pas. Du coup, cette chanson. C'est de qui? Bah, c'est Charles Trenet. Ah, c'est Charles Trenet. Ah oui. Je dois dire que j'écoute très peu ce personnage-là. Le seul qui arrive à me faire écouter du Trenet, c'est Higelin quand il l'enchante. Voilà.
Donc toi, tu es fan de Trenet? Oui. Oui, vraiment. Tu as tout écouté du début à la fin. Oui. Les 50 000 albums, ouais. Il a fait combien d'albums, Trenet? À la louche. Une centaine? Non. Pas autant. Moins. Que ça. Beaucoup, non? Mais il en a fait beaucoup. Je sais pas, une trentaine. Non, plus que ça. Non. Il a fait des albums depuis les années. Il a commencé en quelle année d'ailleurs? Bah, j'en ai commencé en 1937. Oui, il a commencé avant-guerre, c'est ça, au tout début de la guerre, oui. Et il a fini en 2000. Il a fait des 45 tours, donc. Enfin, des 78 tours. Oui, au début c'était des 78. Mais il est mort en 2003. Il est mort en 2003. Oui, mais enfin, il n'a pas fait de disque entre 74 et 89, je pense. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, ou alors des albums tous les 4-5 ans, donc ça ne fait pas grand-chose. Ah, mais à la fin, il en faisait toutes les années, à la fin. Oui, à la fin. Ils ont sorti des vieilles bandes aussi. Mais pas tant que ça, il y a ah. Qu'il y a 30. Ah, c'était pas que des nouveautés quand ils de son vivant, c'était pas que des nouveautés alors. Ah, si, enfin. D'accord. Mais c'était pas. Mais c'était pas transcendant non plus d'ailleurs. Non. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a même pas de chanson quoi. Il n'y a que la vie qui va. Donc tu veux en faire du Trenet, celle-ci, c'est ça? Oui, pourquoi pas. Du Higelin. Parce que c'est déjà Higelin, j'aime, je préfère déjà Higelin, oui. C'est très bien, je veux pas le sens. Excellent, excellent. Inversé. Excellent, oui, ça enregistre là, parce que c'est, en tout cas le couplet, tu l'as. Tu l'as le couplet, puis le refrain, j'aime bien l'idée de partir dans un truc à la Higelin, il y a des pots de vinaigre quoi, dans la boîte aux lettres, tu vois ce genre de machin très léger, sautillant comme ça. Thank you.
bien. Deux pieds, deux mains, six sens. J'adore ça, c'est très très bien. Six sens, le lait, le beurre, la crème. Hein. Oui, le lait, le beurre, la crème. Et le fils du crémier, mais ça c'est pas dans la chanson. Le lait, le beurre, la crème. Mais ce que tu as fait au tout début, c'était vraiment super. Hein. Oui, mais c'est ça que je gardais, mais il faut que je bricole autour par rapport au nombre de notes. Là. Oui. C'est un peu... Mais je vais trouver ce qu'il faut, mais... Un peu... Ça... Enfin... Mais en fait, tu as vu, il est rythmé, il y a trois fois la vie qui va. En fait, il y a huit vers et quatre vers. Ah, huit vers, quatre vers. Ah, ça fait trois blocs, en fait. Ouais. Que je sais pas. Thank you.
Façon de dire, j'ai reçu la naissance. Comme un cadeau suprême. C'est beau, ça. C'est beau, mais encore faut-il le chanter. Ah, comme disait Serge Gainsbourg, il y a des phrases d'une telle sophistication qu'on ne peut pas les chanter. Et il donnait comme exemple, tu te souviens? Non. Alors, attends, c'est quoi le début de la phrase? C'est l'un à son trou d'obus, l'autre à son trou de balle. C'était l'exemple pour un vers qu'on ne peut pas chanter, dit-il, parce qu'on pourrait très bien chanter. Elle ressemblait à une guitare rock. De Jack, oui. L'un à son trou d'obus, l'autre à son trou de balle. La phrase. Oui, celle-là, non, effectivement. D'ailleurs, t'as vu, avec la ponctuation, t'as vraiment deux blocs hein, qui sont chaque fois pareils. Parce qu'en fait, c'est une alternance de petits mots énumérés avec une phrase construite. T'as une énumération puis une phrase construite. Il y a chaque fois une certaine sorte d'alternance comme ça. Pas. Ah, il faudrait pas. Ah. Et pourquoi? Parce que après je vais faire. Ah, désir, amour et haine. Si, ça s'enchaîne. Désir, amour et haine. Mais c'est plus nage, je fais plus faible. Ah, ouais, c'est je vais. C'est vrai, je vais retomber dessus sur un autre. Déjà. Thank you.
perds un pied. Là, je perds un... Je peux pas le rajouter. Je perds un pied, quoi. Ah, parce que tu... Oui. Un pied de note, quoi. Oui, parce qu'il n'y a plus d'espace entre les mots, c'est ça, ouais. Avec des pieds de trop ou de pas assez, après je lisse, hein, c'est pas non plus. Et pour les machines instrumentales, faut que ça fonctionne quand même. Oui, ah bah faut que ça fonctionne, c'est mieux, bien sûr. C'est toujours mieux quand ça fonctionne. Te seront reconnaissants si tu livres un truc qui fonctionne parfaitement, c'est sûr. Parce qu'ils ont des mauvais souvenirs avec certains compositeurs qui travaillaient un peu activement. Oui, ça fonctionnera, mais c'est pour donner une idée là. Ouais, ouais, mais c'est bon. Faut que tu l'enregistres. Après, il y a 1000 variations, mais t'as le truc, c'est bon. Il y a le refrain quand même. Ah oui, le refrain aussi. Des canoës à queue, pardon, oui. Et les pots de yaourt, ils sont dans quoi alors? Dans la vinaigrette, je crois. Ah, ils sont dans la vinaigrette, oui. Ah, oui. Deux pieds, deux pieds, deux mains, tu sens le lait, le beurre, la crème, j'ai reçu la naissance. C'est là qu'il manque un truc. Et si tu retardes la phrase, tu laisses un truc à la fruit, puis tu retardes la phrase. Je retarde la phrase, c'est ça. Ouais. Puis, oui, mais l'idée, c'est ça. C'est sautillement, là. Ouais. Faut que tu mettes un petit gimmick au piano pour boucher le trou. Un petit tarata, un petit gimmick comme ça. Là, c'est pas évident à ce moment-là. Le petit truc, ça se viendra après. Oui, à tête reposée, ça vient facilement, ce genre de... Tu trouveras la solution. Besoin de deux mots, on peut mettre c'est vrai ou tu vois, il y a des petits mots bateaux comme ça. Non, mais en me repenchant dessus, je vais trouver. Elles ont l'idée de la chanson. Ah, bah l'idée elle y est là, c'est bon, hein, on a tout. Hein.
que là. Et sinon, un chakra, c'est quoi celle-là? Histoire de. Oh, je sais. Cas où. Tifa. Parce qu'on est dans quelle tonalité là? Ah, tu veux savoir si ta tonalité que t'as pris spontanément? Non, je sais pas, faut voir. Voilà, on n'est même pas dans un chakra, je sais pas où on est là. C'est toute la vie là, c'est tout, c'est les sept chakras. C'est tout à la fois, il y a tout. Le lait, c'est chakra rouge. L'amour, c'est chakra vert, etc. Il y a un peu tout là-dedans. La baignoire, c'est chakra orange. Moi, je verrais quelque chose de plus jazz, de plus. Moi, je verrais quelque chose de jazz. Jazz un peu plus moderne, tu vois. Je voudrais un jazz un peu moderne avec ça, tu vois. Moderne, oui, mais c'est quoi moderne? Moderne, disons, c'est relativement récent, quoi. Pas les années 40, des standards comme on était avant. J'aime beaucoup ça. Faut trouver l'accroche avec ça. Ouais. Je vais peut-être trouver une accroche. Thank you.
Je suis plus d'accord, oui, je comprends. Non, non, parce que moi, j'ai, en fait, pour imprimer, j'ai enlevé cette page. Moi, j'ai 26 pages. Mais toi, oui, t'as le truc complet avec ça. Je comprenais pas pourquoi t'avais 27 pages et 26. Comment t'as vu que j'avais 27 pages? Ah, ouais. 27. Les enfants, parce que j'ai pas chanté depuis 7 mois. Et moi, je m'en aperçois.
Ha 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 ha.